bonjour à tous les amis, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle séance de sport. Aujourd'hui on est focus abdos et surtout fessiers. Vous avez juste besoin de votre tapis d'Aladin. Moi j'ai pris des poids de 5 kg avec moi, si vous en avez prenez-les, sinon vous pouvez faire la séance sans. Et on va commencer de suite avec la partie abdos, 30 secondes par exercice. Et ensuite on entamera la partie fessiers à fond. Top. On commence, hop là, un gainage dynamique. Donc on descend et on remonte en éventail. On fait bien le mouvement quand on est en bas. Le dos est droit, le bassin est légèrement rétroversé. Et on remonte en squat à la force des jambes. Allez, on se déplie et on se replie. Et là, on va rester au sol, on va venir toucher, top, son pied opposé. Donc là, il faut rester en équilibre, sur deux pattes. On prend son temps. On marque le transfert de poids. Allez, c'est bien. Bassin légèrement rétroversé également. Je suis contente de vous retrouver. Top. On se met sur le dos. On vient lever les jambes. Et on les ramène. On ne creuse surtout pas le bas du dos. Et on cède le moins possible des mains au sol. Moi, je relève le buste. Si vous avez mal à la nuque, vous pouvez tout simplement allonger la tête. Et là, on va passer sur une touche lacée. On reste jambes en l'air, top. Et là, on remonte vers ses lacets. Moi, je ne suis pas très souple, j'ai les jambes repliées. C'est pas très grave. Il faudrait que je travaille cette faiblesse. Toujours travailler ses faiblesses. Et là, on remonte à la force des abdos. Et on ne retourne pas complètement contre le sol. On garde une contraction constante. Dernier top. On recommence en gainage dynamique. C'est parti. Allez, on enchaîne ce petit circuit. On le fait une dernière fois pour le plaisir. Pour le plaisir. Puis on va passer en gainage touche-cheville. Top. Allez, c'est bien. Tous ensemble, dans la joie et la douleur. Allez, on commence à travailler notre équilibre. On prend le temps de bien le faire. Et on va passer sur le dos avec des levées de jambes, top. Allez, ça chauffe, c'est normal. C'est le but. On descend ses jambes et on les remonte. Si c'est trop dur, on peut faire une chaise renversée. Genoux pliés. Allez, on y va au mental. Ne creusez pas le bas du dos, sinon descendez moins bas. Top. Touche lacée. Allez, on monte et on descend. Après ça, on aura 30 secondes de repos. Déjà. Allez, on se donne à fond comme d'habitude. Soufflez bien. On va commencer par des crunchs. Hop là. J'enlève les poids. Crunch de côté. Côté gauche. Et ensuite on va passer sur bouche bassin en gainage latéral. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours prêts? Allez, on va commencer par le côté gauche. Let's go. 30 secondes par exercice.
Là, on se relève vraiment à la force des obliques. On peut regarder loin devant soi. Allez, c'est bien. N'hésitez pas à commenter la séance pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour me dire que vous l'avez faite, ça me fait plaisir de partager avec vous. Top. Gainage latéral. Et ensuite, on changera de côté. Donc là, on peut mettre la main en l'air, sur soi. C'est au choix, tout est permis ici. 10 secondes. 5. Le chrono qui tue, on va changer de côté. Top. C'est parti. On perd pas trop de temps quand on change de côté. Même si on a envie de gratter quelques secondes. Allez, on remonte à la force des abdos. 10 secondes. On ne cède pas de la main qui est au sol, là, ça nous équilibre juste. Top. Gainage latéral. Allez, on descend et on remonte. Et on va recommencer pour le plaisir ce circuit une dernière fois. Et ensuite, on s'attaquera à la partie fessier. Allez, on descend le bassin et on remonte à la force des abdos. Top. On recommence. Hop là. Crunch de côté. Je suis plus au centre du tapis. Est-ce que je l'ai déjà été? Telle est la question. Allez, on remonte bien. 5 secondes. On va passer en gainage latéral. Top. Allez, on descend son bassin, on le remonte. Tous ensemble. Vous n'êtes pas tout seul, on ne craque pas. Au mental, 10 secondes. Évidemment, on va changer de côté pour ne pas avoir un côté plus musclé que l'autre. Top. Même chose. Pardon, crunch. Hop là. Allez, on ne cède pas trop de la main au sol. C'est bien. Allez, on va passer en gainage. Top. On enchaîne. Et après ça, on aura fini la partie abdos. Déjà, ça va vite en bonne compagnie. Épaules toujours au-dessus du coude. Et on va venir, on vient rétroverser légèrement le bassin et on va venir se relever à la force des fessiers et des cuisses arrière. Ne forcez pas sur le bas du dos, du moins le moins possible. Top. C'est parti. Cette fois-ci, c'est 50 secondes par exercice. Et 10 secondes de repos. Là, on essaie de bien chauffer les cuisses. Allez, on ne se repose pas complètement au sol et on repart. Plus vous éloignez vos pieds, plus ça va être compliqué.
Là, on se met assez proche ou du moins à mi-distance. Pas trop loin pour commencer. Allez, on descend, on remonte. Toujours les fessiers contractés autant sur la descente que sur la montée. On est dans le contrôle. Top, 10 secondes de repos. Et on va venir faire la même chose avec une jambe en l'air. Je commence par la jambe droite en l'air, c'est parti. Jambe gauche au sol. Là, on tend la jambe. Si c'est trop compliqué, on peut tout simplement la plier ou venir la mettre sur son genou opposé. Et la même chose, on force vraiment sur les fessiers et la cuisse. On se fait pas mal en bas du dos. Les premières fois, je me faisais mal en bas du dos, mais non, c'est que je faisais mal le mouvement. Allez, toujours dans le contrôle. On commence presque à prendre du plaisir. Encore 10 secondes. 5. Dernier. Top. Ça y est, ça commence à bien chauffer. On va faire la même chose de l'autre jambe. Top. Et là, c'est pareil. Plus vous éloignez le talon, plus ça va être compliqué. Et plus vous tendez la jambe loin dans le prolongement, plus ça va être dur. Là, c'est à vous de doser, hein, suivant vos ressentis. En tout cas, il faut quand même bien le sentir travailler. Allez, c'est bien. On lâche rien. 5 secondes. Dernier. Top. Et là, on va revenir sur les deux jambes. On va éloigner les talons cette fois-ci. Et on va venir. Top. Relever le bassin. À la force des fessiers. Là, on fait l'effort d'éloigner les jambes comparé à tout à l'heure. Normalement, c'est un peu plus dur. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter du poids. Tant qu'à faire, histoire de bien travailler. Chacun s'adapte à son niveau. Et le but, c'est toujours de se dépasser soi-même. Et on ne cède pas trop de ses mains au sol. On continue comme ça, bassin rétroversé, top. Cette fois-ci, on va venir éloigner ses jambes au maximum et on revient, top. Là, on reste ce bassin statique en haut, on déplie presque ses jambes complètement et on revient. Voilà, si on descend loin, ça fait mal. Allez, on revient petit à petit. On essaie de toujours pousser les fesses vers le haut. Avoir les fessiers contractés au maximum. Le bassin remonté. Allez, c'est bien. On continue comme ça. 5 secondes. Top. On va refaire une dernière fois les exercices sur la jambe droite et la jambe gauche. Top. Allez, la jambe gauche au sol. On fait juste ces deux petits exercices. Allez, répétition, histoire de travailler encore plus nos fessiers. On réfléchit plus, on y va. Vous verrez qu'on sera fiers de nous après. 20 secondes.
Je suis déjà fière de vous d'avoir commencé. Allez, le but c'est de se dépasser soi-même. On n'oublie pas notre objectif. Dernier. Top. On change de jambe. Je sais pas vous, mais moi ça commence à trembloter. Jambe droite au sol pour ma part. Top. Et vous voyez, j'ai toujours la pointe de pied qui est relevée. Je pousse encore plus sur les talons quand je suis comme ça. Et encore une fois, ça ne doit pas trop tirer sur le bas du dos. Et les abdos sont engagés. Toujours. Même quand on a l'impression qu'on ne les travaille pas, ils sont là. Allez, c'est bien, on prend son temps dans le contrôle. On redescend pas entièrement et on remonte. On se repose jamais. Top. Cette fois-ci, on va passer sur le côté. Et on va venir lever sa jambe à force des fesses. Top. Et on redescend. Pas complètement. Et on remonte. On ouvre. L'effet papillon. Allez, quand on redescend, on referme la jambe. Et quand on remonte, on l'ouvre. De l'autre côté, j'ai épaule au-dessus du coude. Et on fait l'effort de se relever au maximum, de bien pousser sur la fesse. 10 secondes. Dernier. Top, on change de côté. Est-ce que ça commence à brûler? J'espère que oui, comme du magma. Top. Allez, dès qu'on se relève, on ouvre en même temps les jambes. Les pieds sont collés, avec de la geluche. Allez, on se relève vraiment à la force des fessiers. Logiquement, il y a toujours un côté un peu plus facile que l'autre pour ma part. Et on est toujours gainé. C'est bien. Top. Cette fois-ci, on va passer à quatre pattes. Et là, on va venir donner des coups de pied, talons vers le ciel. Top, une jambe après l'autre. Abdos toujours gainés. Là, on est dans le contrôle. C'est pas le bassin qui relève la jambe, c'est vraiment le fessier qui se contracte et qui devient et qui vient donner un coup de pied vers le haut. Allez, c'est bien. Bien. C'est le dernier exercice au sol. Et ensuite, on va finir avec un tout petit circuit. Debout. Allez, on se relève à la force des fessiers. Top. Cette fois-ci, on peut prendre les poids. Si vous en avez, sinon vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. Ça fera l'affaire. Ou ne rien prendre du tout puisqu'on va commencer par, je vous montre, des squats avec poids pendant 30 secondes. Et ensuite on va venir en RDL, deadlift, j'arrive jamais à le dire. Bon, on va venir descendre le dos droit légèrement avec une petite courbure naturelle. Mais on ne fait pas le dos rond. Donc dos droit et là on descend près de ses cuisses. On vient en dessous de ses genoux, pas plus bas. Et on remonte
Voilà, là il y a vraiment une torsion du bassin. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours prêts? On va enchaîner ces deux exercices. 30 secondes par exercice. Entre temps, si vous voulez boire un coup, vous pouvez. Là, on reprend dans 10 secondes. C'est parti, on se prépare. Squat sumo légèrement, les genoux vers l'extérieur. Top. Et là, quand on descend, on ne remonte pas entièrement. On garde une contraction volontaire. On ne cherche pas à être très rapide. Et les genoux ne dépassent pas pointe de pied, très important. On descend dos droit. Courbure naturelle. Allez, c'est bien. Et là, on va passer en RDL, top. Donc, je descends dos droit. Pointe sous les genoux. Et je remonte. Ça a l'air de rien comme ça, mais si on le fait bien. Écartement naturel à largeur d'épaule. Et on remonte pas complètement non plus. On garde cette contraction. Top. On va reprendre. Vous êtes prêts, toujours prêts. C'est parti en squat. Alors on ne remonte pas complètement. C'est bien. Soufflez bien. Top, RDL, c'est parti. On se penche à l'avant, on revient. Le dos n'est pas rond. On est stable. Et on descend le long de ses cuisses. On ne remonte pas complètement. Bassin vers l'arrière, mais pas trop non plus. Et abdos contractés, engagés, top. Et on va le refaire une dernière fois. Toujours prêt. Top, squat. Allez, on fait bien. On contrôle la montée, la descente. On n'est pas en apnée, on n'est pas sous l'eau, quoique. Dernier, top RDL. On descend et on remonte, les fessiers toujours contractés. On longe ses cuisses. Allez, on continue comme ça. Top. Bien joué les amis. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu. C'était full renforcement aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous, on se retrouve très prochainement. Gros bisous l'équipe.